Le mercredi, à l'arrivée, les responsables du centre culturel Chibao nous ont souhaité la bienvenue par un geste de coutume. On a échangé du tabac, un billet, des manous, des couronnes, des dessins. L'accueil s'est fait entre les cases de chaque province. Sur le chemin Kanak, légende de Renzo Piano, nous avons découvert le mythe de Théa Kanaké, Miyom Milesa, et Martin nous a raconté ses aventures. Pour pénétrer dans son univers, il nous a fallu demander la permission aux géants et faire un vœu. Nous avons appris le nom de différentes plantes Kanak utilisées pour soigner. Le bagaillot d'évier, le bonnet d'évêque, le bagnon, la cordiline et l'herbe bleue. C'était un moment de découverte très riche sur les traditions mélanésiennes, l'histoire, le chemin, la végétation, la nature. L'après-midi, une danseuse du groupe Pwechecha, Linda, nous a initiés à la danse de la taraudière. C'est la danse de la plantation des tarots. Les garçons piquent la terre, les filles font les trous. Les garçons coupent l'herbe que les filles ramassent. Pour finir cette séance, Linda, avec un bambou, nous a fait danser sur le rythme de percussion. C'était choc! Ensuite, nous avons réalisé la visite guidée de la salle des maquettes. Nous y avons découvert des maquettes proposées dont celle de Renzo Piano a été sélectionnée car elle représentait un mélange d'art moderne et traditionnel. Les maquettes en petits modèles, grands modèles, des photos de la construction de chaque partie du centre nous ont permis d'imaginer tous les travaux qui ont été faits pour parvenir à la construction du centre en 1998. Renzo Piano est un architecte italien qui vit à Paris. Il fait partie du mouvement high-tech. Il se sert des éléments et en métal et en verre et il les ajoute dans leur environnement. Les cases de 28 mètres de hauteur résistent aux cyclones. Elles ont deux parois qui permettent d'avoir une ventilation naturelle qui protège de la chaleur. Renzo Piano est aussi connu pour avoir imaginé l'architecture du centre Georges Pompidou à Paris. Avec Thomas, nous avons mis en point une chorégraphie d'une danse de rue sur plusieurs séances. On s'est entraîné sans musique, puis avec musique. Les deux groupes ont réussi à réaliser une pyramide
Au final, Jefferson et Vincent ont fait plusieurs démonstrations de battle. C'était cool. Thomas fait partie d'un groupe, c'est un pro de hip-hop. Avec Mathieu, moment sympa aussi, puisque nous avons appris à faire une chronologie de diaporama. Il fallait choisir des photos, y mettre un titre, y ajouter de la musique et terminer par un résumé. Chaque groupe a été ravi de son montage. Avec Mathieu, on a également participé à une lecture de photos. La photo qui nous a plus marqué, c'est celle d'une jeune guerrière et celle d'une photo avec le chat du président. Atelier oral où chaque élève a pu exprimer un peu un sentiment. Tristesse, joie, étonnement, surprise. Le conteur. En fin d'après-midi, un conteur chat nous a raconté le conte du marin pêcheur et de la buse. La morale de l'histoire, c'est persévérer et avoir le sens de l'effort. C'était très drôle sa façon de raconter. Charles est expressif envers son public. Avec Rosanne, nous avons fait du tressage. On a réalisé une belle couronne avec les feuilles de pandanus. Alia nous a donné à chacun un savon. Ensuite, elle nous a donné une gouge et une cuillère pour faire une case. C'était trop bien. Coutume de revoir. Chacun riche de nouvelles connaissances remercie pour ce séjour qui restera inoubliable. Enfin, passage au McDo. C'est ça qui est bon aussi.